Comment tu trouves ce qui a été servi à manger ce soir? C'est très très bien, très bien, agréable, et le dessert, un régal. Délicieux. Ah, délicieux. Je vais manger ce soir. Je suis pas très bon à cette vision. Ça avait l'air très bon. J'ai déjà mangé ici, donc le fameux cassoulet qui était succulent. Donc la cuisine qu'on mange à l'auditorium est excellente, fait maison. On sent que c'est fait avec amour surtout, et c'est ça qui. Alors, je me suis régalé. J'adore les lentilles et j'adore le canard, ça tombe très bien. Le mariage des deux était formidable. Et bien que j'ai mangé du canard déjà pour la Saint-Sylvestre et encore plusieurs jours après, je me suis encore régalé ce soir. Voilà. Comme chaque fois que je viens au veillé de l'auditorium. Oh, c'était super bon. Ah, très bien. En plus, les légumes, les lentilles, c'est mon légume favori, donc parfait. Qu'est-ce que tu penses des veillées? C'est très, très enrichissant, franchement. C'est la première fois que je viens et j'étais séduit. Il y avait beaucoup de passion dans ce qui a été dit. Tout était très bien. Ah ben, c'est la première que je fais, mais c'est sympa. Alors, j'adore le concept de la veillée. Je trouve que c'est une excellente idée et que ça mérite d'être diffusé et qu'il y en ait de plus en plus. Ça ramène à l'essentiel, un petit peu comme dans les villages d'avant où on se mettait autour du feu avec les anciens du village et on parlait de choses très importantes, très essentielles qui amenaient beaucoup de joie et de connaissances aux plus jeunes. Moi j'aime beaucoup ce principe. Alors c'est un moment de partage, un moment d'ouverture sur des sujets variés, divers, qui permet de nous ouvrir justement à des choses qu'on croit connaître et qu'on ne connaît pas si bien que ça, à des sujets nouveaux. Donc j'ai beaucoup aimé le partage d'expériences, les témoignages, et encore ce soir, voilà, je repars le ventre repu, mais la tête aussi. Ouais. Que c'est une super idée parce que tout est plein de bienveillance et de curiosité. Convivialité, sympathie et éclectisme dans le choix de ce qui est proposé. Et est-ce que tu recommanderais les veillées? Oui, évidemment, bien sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je vais me tenir au courant déjà de ce qui se fait, des prochaines. Je ne sais pas à quel rythme ça se fera. Et en tout cas, oui, il faut en profiter. À des amis? Pardon, sans problème. Ah oui. Est-ce que tu recommanderais les veillées? Bien entendu. Ah ben non seulement je recommande, mais j'en ai déjà parlé autour de moi. Ma femme vient également participer et après il faut quelqu'un pour garder des filles à la maison. Mais je reviendrai avec grand plaisir à la prochaine veillée à nouveau dès lors que je recevrai l'invitation. Carrément. Ça fait un peu loin, c'est dans les bois, on trouve des gens bizarres, donc oui. D'abord, bienvenue. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et parce qu'on a encore le droit pendant quelques jours, nous vous présentons tous nos voeux pour la bonne année. De bonne santé, que vos rêves puissent se réaliser. Voilà. Tout simplement. Merci. Merci. Ce soir, on va accueillir Alexandra et Roxane.